Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes à la Maison Populaire de Montreuil avec Maude Seaton. Maude, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qui vous êtes et quelle fonction vous occupez à la Maison Populaire ? Alors moi je suis responsable de la communication à la Maison Populaire depuis avril 2022 et du coup je m'occupe de toute la partie communication du lieu, que ce soit les activités de pratique amateur, la résidence curatoriale et les expositions du centre d'art, les résidences également hors les murs. Cette année, on a une résidence qui s'appelle Fabrique à l'œuvre et toute la partie des concerts et des événements autour de la vie démocratique, que ce soit l'Assemblée Générale, qui est un temps important de la Maison Populaire puisque c'est une association. Et on a 2600 adhérents, donc voilà, tout ça c'est très important. Génial. Et alors la Maison Populaire va déménager. Pourquoi ce déménagement ? Qu'est-ce que ça engage pour vous et qu'est-ce que ça représente ? Alors c'est vraiment une demande qui remonte à quelques années, puisque faut savoir que chaque année pour les activités de pratique artistique on refuse 1000 personnes. Donc c'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes qui sont inscrites en liste d'attente et qu'on ne peut pas recevoir par manque d'espace. Donc ça c'est un manque qu'on souhaite en tout cas comblé. Et puis c'est vrai que la Maison Populaire c'est une association qui date de 1966 et les lieux ici datent aussi de 1966 pour la plupart, sauf le bâtiment qui donne sur rue. Donc un manque d'espace et des bâtiments qui sont parfois un peu dans un état où on aimerait qu'ils soient plus récent, en tout cas plus adapté aux besoins des publics. Et donc la volonté de ce déménagement, c'est d'avoir des espaces plus grands qui puissent accueillir un plus de public, et puis aussi la volonté d'aller dans le Haut-Montreuil à la rencontre aussi des habitants de ces quartiers où il y a beaucoup moins d'offres culturelles. D'aller dans ce site EIF qui est une ancienne usine de posterie, c'est une volonté à la fois de la Maison Populaire et de la ville de Montreuil qui nous accompagne sur ce projet depuis plus d'un an maintenant, puisque on a commencé la pollution sur le site. Ok, génial. Et donc j'ai vu que vous invitiez les adhérents à être impliqués dans ce déménagement. Dans quelle mesure du coup ils sont impliqués ? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ? À quel point ils sont ancrés dans ce déménagement ? Alors évidemment, c'est un projet qu'on ne peut pas mener seul, parce que c'est important que cette Maison Populaire continue de fonctionner avec les adhérents, mais pas que, aussi les habitants. Et du coup, on a mis en place ce qu'on appelle des ateliers de concertation. Et donc, à la fois avec les adhérents, les habitants du quartier, les équipes, les professeurs, enfin, tous les gens, toutes les personnes qui sont impliquées à la fois dans la Maison Pop et dans ce projet de déménagement. Donc, ces ateliers de concertation, c'est avant tout pour travailler sur la préfiguration de ce futur lieu et qu'est-ce qui va être. C'est pas de transposer la Maison Populaire d'aujourd'hui à la future Maison Populaire, mais vraiment de travailler ce projet et de proposer de participer à ce futur lieu qui sera le lieu de toutes et tous. Et est-ce qu'il y a déjà des grands axes qui se dessinent sur ce à quoi va ressembler la Maison Populaire ou ce qu'on pourra y trouver, des changements par rapport ici par exemple ? Alors déjà les changements, le fait d'habiter un nouveau quartier, ça va évidemment changer beaucoup de choses, mais d'être aussi au milieu du quartier des Murs à Pêche, donc ce patrimoine horticole de la ville de Montreuil qui est très important, ça va changer aussi par rapport à ici, ce lieu où on a évidemment des espaces extérieurs mais qui sont plus petits. C'est un lieu qui est aussi chargé d'histoire ouvrière, d'histoire industrielle, la proximité avec le parc Montreux, enfin voilà, tout ça va évidemment faire que ça va évoluer. Donc qu'est-ce que ça va donner pour la suite, c'est en réflexion, c'est en construction, donc c'est difficile de dire là aujourd'hui ce que ça va être dans le futur, mais en tout cas les choses vont évoluer.
Il y aura toujours des grands espaces, des salles de concert, tout ça on garde. On garde le centre d'art qui sera aussi le lieu d'accueil, on garde la salle de musique actuelle, on garde les espaces pour avoir, on a aujourd'hui plus de 120 activités à la fois pour les enfants, les adolescents, les adultes, mais on aimerait aussi avoir un espace de pratique libre, que les gens puissent venir pratiquer une activité, vraiment être présent sur un lieu sans avoir à venir voir une programmation quelconque. On voudrait également les espaces extérieurs, à voir ce qui s'y passe, mais en tout cas un jardin, pourquoi pas un jardin partagé, enfin voilà. On aimerait qu'il y ait un lieu de restauration, un lieu convivial en tout cas, ce qu'il n'y a pas ici à la Maison Populaire. Voilà, donc les choses évoluent en fonction aussi des envies de chacun et des expressions qui sont apportées. Et est-ce que vous savez concrètement comment ça va se passer ? Est-ce que du coup celle-ci, elle va fermer pendant un temps et tout le monde va être délocalisé là-bas, ou ça va être par étapes ? Alors là, c'est difficile d'en savoir plus parce qu'on est toujours dans la phase de dépollution. Donc pour l'instant, on est vraiment dans la partie préfiguration. Et ce qu'on sait actuellement, c'est qu'en tout cas, il n'y aura pas deux maisons populaires dans deux endroits différents. C'est-à-dire que après la phase des travaux, ce sera l'idée d'aller vers la nouvelle maison populaire. Après, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir un temps de fermeture ? Bon, voilà, ça c'est difficile encore de le dire parce que c'est pas du tout fixé et c'est encore à plus ou moins long terme, donc c'est difficile de savoir, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est que la Maison Populaire aura une nouvelle adresse, ce sera au 97 rue Pierre de Montreuil, donc à Montreuil dans le Haut-Montreuil. Et il n'y a pas encore de date définie pour l'ouverture de cette nouvelle Maison Populaire ? Alors là, on a fixé le cap de septembre 2027, voilà, mais on sait que c'est des temps longs, il y a des travaux qui vont être faits, il y a de la réhabilitation de certains espaces qui sont considérés comme du patrimoine architectural remarquable, voilà, donc tout ça prend du temps. L'idée, c'est pas de faire les choses de manière précipitée, évidemment, on veut que les choses se fassent bien et que l'accueil, quand les gens arriveront à la Maison Populaire, soit à la hauteur des attentes de tous. Super, bah merci beaucoup Maude pour ces informations. Merci à vous.